question de cette extension numéro 3 qui s'appelle le colibri. C'est une extension donc de mon oracle Madi. Alors cette extension fait 55 cartes et je vais vous présenter les cartes. Donc la première, eh bien, vous voyez que c'est un immeuble en construction. Donc, ça peut montrer évidemment un projet immobilier, mais généralement c'est simplement la carte qui parle de quelque chose qui va être construit. Donc c'est une carte positive, un projet qui va prendre forme. La carte suivante, c'est la carte du tricheur. Voilà, donc quelque chose qui n'est pas correct. Une tricherie ou une personne qui triche. Ici, une personne qui est sincère, qui a son cœur sur les mains. Voilà, quelqu'un qui a le cœur sur les mains. Donc, des belles valeurs, quelqu'un qui est sincère, qui a des belles valeurs, qui est gentil, qui est encore une fois, qui joue franc jeu, qui est honnête. Donc, très belle carte. La carte de l'imprudence, hein, les personnes traversent n'importe comment sur l'autoroute, c'est évidemment dangereux. Donc là, c'est vraiment le signe qu'il peut y avoir une imprudence qui va être faite, hein, avec éventuellement des conséquences négatives. Hein, voilà, donc faire attention, puisque encore une fois, c'est une carte d'imprudence. La carte suivante, c'est quelqu'un qui vous vend des couleuvres. Alors, c'est souvent les politiques, hein, mais bon, pas toujours non plus. Mais un vendeur de couleuvres, donc une personne qui va baratiner des gens. Et les gens, ils sont là et ils en redemandent. Donc faites attention, cette carte-là montre qu'il y aura quelqu'un de très malhonnête, hein, qui va essayer de vous arnaquer en vous faisant avaler des couleuvres. Bon, l'expression est quand même assez connue, hein. Jésus, alors Jésus qui dit « je suis le chemin, je suis la vérité ». Voilà, donc très belle carte, ça signifie aussi qu'il y a une protection, que vous devez vous en remettre à Jésus, et que vous devez suivre la voie, pardon, de la foi, oui, du cœur, de la vérité, voilà. Des jeunes gens qui ne sont pas forcément très sympathiques, hein, qui peuvent sembler assez menaçants. Donc ça peut être des jeunes voyous, les copains, voilà, pourquoi pas les copains de votre fils, mais tout, ou de votre petit-fils, mais attention, ils ne sont pas forcément dignes de confiance. Hein. Donc des jeunes gens. Ici, la carte numéro 3 de Umbrella Academy, Allison. Allison qui possède le don de persuasion. C'est quelqu'un de riche et de célèbre qui sait des choses. Donc ça, ce sont les gens riches et célèbres qui savent des choses et qui essaient d'influencer autrui. Donc pourquoi pas, ça peut montrer des influenceuses, plutôt une carte féminine, hein, des influenceuses qui savent des choses, qui savent ce qui va arriver. Alors si ce n'est pas un tirage politique, eh bien voyez-y simplement une femme qui a un certain pouvoir d'influencer autrui. Et qui ne dit pas tout. Voilà, ce n'est pas une carte positive. C'est une jeune femme, hein, en général, bon, il n'y a rien de spécial à dire, c'est une carte de jeune femme. Donc plutôt entre 18 et 35 ans, voilà, une jeune femme. Ici, la petite fille. Ben, on va dire... entre 6 et 10 ans, voilà, une fillette, hein, une petite fille. Ici, la carte de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est la convoitise, évidemment, par rapport à de l'or ou des biens matériels. Une convoitise qui peut d'ailleurs être destructrice. Voilà, donc, convoitise ou avarice, hein, d'accord. Ici, la carte du petit enfant, du petit bébé. Voilà, donc bébé. Évidemment, ça peut montrer une grossesse, hein, si vous faites un tirage pour une jeune femme. Ou alors, en tout cas, s'il y a des projets d'enfant. En tout cas, petit enfant. Voilà. Ici, le passé. Les choses qui ne reviendront plus. Les souvenirs. Des vieilles photos. Voilà.
donc le passé. La carte de la jalousie. La grenouille est verte de rage et de jalousie. Jalousie qui peut d'ailleurs se transformer en colère destructrice. Voilà. Donc jalousie et colère, très négative et très destructrice. Ici, des gens qui admirent, qui applaudissent, qui sont contents, mais c'est vraiment, ils sont en train d'admirer quelqu'un. Donc l'admiration de la foule pour quelque chose, donc la carte de l'admiration. L'enlèvement de l'Église. Alors, évidemment, au niveau eschatologique, cette carte a une signification très très précise puisqu'elle signifie que l'Église, donc l'Église, ce sont les chrétiens, seront enlevés pour échapper aux tribulations. S'il ne s'agit pas d'un tirage eschatologique, voyez-y simplement, eh bien, une élévation spirituelle, voilà, et l'envie d'aller vers la lumière. Alors ça, c'est l'inverse, ça c'est la zombification de la société. Au contraire, des gens qui deviennent de plus en plus inhumains, complètement reliés à leur smartphone, ils en oublient de se relier à d'autres personnes bien vivantes. Et vous voyez que vous avez des visages dans cette foule qui sont encore humains, mais vous voyez qu'ils sont en train de se transformer. Donc c'est la déshumanisation de la société. Voilà, une société qui devient zombie. Ici, je veux simplement vous faire une carte pour montrer les artisans, même les gens qui travaillent. Alors le bois, mais enfin ça peut être aussi simplement des gens qui travaillent de leurs mains hein, pour créer des belles choses. Donc l'artisanat, le commerce, mais aussi simplement des gens qui aiment faire des objets en utilisant eh bien, des outils comme cet homme-là. Donc l'artisanat, la création. Quelque chose va démarrer, c'est imminent, c'est dans les starting blocks. Voilà. Donc démarrage rapide de quelque chose, d'un projet ou de quelque chose. Si c'est un nouveau travail, eh bien, ça va se faire très rapidement, puisque là, on voit que vraiment, encore une fois, c'est la carte des starting blocks. Le petit poisson qui quitte son espèce de bocal pour aller dans l'océan. Alors là, on quitte sa zone de confort. On va explorer d'autres horizons. Il y a une prise de risque. Mais c'est aussi en fait la découverte de quelque chose de plus vaste. Voilà. On élargit son horizon, on élargit son expérience. On sort de sa zone de confort. C'est vraiment ça. Et on va vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Ici, ce sont des personnes, un homme et une femme, enfin bon, ça peut être deux autres personnes, hein, qui n'arrivent pas à se rejoindre ou qui n'arrivent pas à communiquer. Voilà. Donc, problème de communication entre les deux personnes. Oui, ça peut être aussi la carte du confinement, tout à fait. Puisque là, encore une fois, il y a une séparation qui peut être du fait d'autrui ou des deux personnes. Hein. Là, la carte ne nous le dit pas. En tout cas, impossibilité de se rejoindre. Ici, quelque chose qui décolle. Alors, là, oui, ça peut montrer encore un projet qui décolle, mais c'est aussi des choses dans le ciel. Donc, ça peut effectivement montrer vraiment des choses de l'ordre des missiles, hein, des fusées, des missiles, donc plutôt guerrières. Hein. En tout cas, il y a des grands projets qui décollent là, voilà, et qui peuvent aller très très loin au niveau des conséquences. Donc plutôt, en fait, vraiment la carte telle qu'elle est, fusée ou décollage de quelque chose. Ici, c'est secret, c'est hors d'accès, c'est mis à l'abri, c'est en sécurité, on n'y a pas accès, sauf si on connaît la combinaison. Voilà, donc c'est coffre-fort, donc c'est plutôt le secret ou des choses mises à l'abri, des choses auxquelles on n'a pas accès, encore une fois, qui sont vraiment bien protégées. Donc c'est le coffre-fort avec toutes les significations qu'il y a à faire. La carte de la menace, le chat qui se sent menacé par ce gros chien. Donc on se sent menacé ou en danger.
Donc voilà, c'est simplement une menace. Pour l'instant, il n'y a pas agression. Le chien n'a pas attaqué le chat. Mais il y a quand même une situation menaçante. Eh bien, il va falloir faire preuve de courage et se tourner pour regarder la tempête qui arrive. Donc ça, c'est la carte vraiment de voir la réalité en face et de se préparer à la tempête qui arrive. Voilà. Bon, la personne, elle a quand même un ciré ici. Donc on peut penser qu'elle a ce qu'il faut pour justement faire face à la tempête. Bon, ben, ce sont simplement une carte qui est en relation avec les moyens financiers, donc les cartes de crédit. Donc c'est en fait c'est une carte qui est neutre, hein, tout dépend de la question posée. En tout cas, il y aura quelque chose en relation avec ici, avec l'argent. Voilà, bon ou mauvais, ça, encore une fois, c'est une carte qui est neutre. Carte de crédit. Ici, le fardeau que l'on porte. Bah, le fardeau que l'on porte. Alors, quel qu'il soit, hein, que ce soit une situation, si vous avez ça pour quelqu'un qui travaille, eh bien, vous pouvez dire qu'il a une charge de travail, qu'il est en fait utilisé comme une bête de somme. Voilà. L'âne n'a pas une attitude de refus, hein, ici. L'âne, il fait ce qu'on lui dit de faire, donc il y a vraiment le fardeau que l'on porte. Éventuellement, d'ailleurs, j'ai envie de dire avec une carte comme ça, qu'on utilise une personne. Voilà. On la traite vraiment comme une bête de somme. Une femme courageuse qui défend et qui protège ses enfants. C'est pour ça que cette femme porte une armure et un bouclier. Elle se battra pour protéger ses enfants. Donc c'est la mère protectrice. Les mamans louves, par exemple. Les rats qui grignotent le fromage, ben ça c'est un abus de confiance. Hein. C'est attention, parce que là il y a des gens qui volent sans que vous vous en doutiez, qui grignotent vos provisions. Donc malhonnêteté, vol, encore une fois, abus de confiance ici. Des sosies, donc on peut y voir pourquoi pas les hommes politiques. En tout cas, des gens qui se ressemblent. Qui sont tous pareils en fait. Voilà. C'est sosie si vous tirez ça dans un tirage, pourquoi pas politique, vous pouvez dire que tous les hommes politiques sont les mêmes. Voilà, il n'y aura pas de changement, par exemple. Sinon, ce sont vraiment des personnes qui ne sont pas très originaux, qui sont formatées. Hein, là, il y a du formatage. Voilà. Donc, quelqu'un qui se rallie un petit peu à l'opinion de la majorité, qui ne pense pas par lui-même. Voilà. Donc, vous pouvez aller très loin avec cette carte-là. La justice qui n'est pas bien rendue, la justice qui avantage les criminels. Vous voyez, les plateaux de la balance ne sont pas équilibrés. Ils sont en faveur du criminel. Donc c'est une injustice, mais une injustice avec vraiment des conséquences juridiques et financières là. C'est vraiment, bah, j'ai envie de dire, c'est la justice actuelle hein, qui n'est plus rendue et qui vraiment, vous voyez, le criminel, il a une arme, donc qui avantage la criminalité. Donc c'est mauvaise carte, hein, vraiment. Si vous êtes dans un procès, eh bien, vous n'aurez pas gain de cause avec une carte comme ça, même si vous avez raison et surtout si vous avez raison. L'illumination des consciences. Voilà, donc moi j'aime y voir l'Esprit Saint qui est reçu par toutes les personnes là en dessous, donc qui vont accéder à une espèce d'illumination intérieure, qui vont comprendre des choses, mais c'est vraiment une carte spirituelle. Donc illumination des consciences, très belle carte, qui permet évidemment le développement moral de l'individu et une progression spirituelle. On prend soin des animaux blessés. Donc on prend soin ici vraiment, oui, de la nature, des animaux. Alors ça peut être au sens vraiment propre de la carte, parce que ben, c'est d'après une expérience personnelle. Hein. Moi, je me souviens d'avoir été chercher un oiseau qui justement était mal en point sur le bord de la route. Voilà. C'est pour ça que vous avez cette carte-là.
Donc j'ai été ramasser l'oiseau, je l'ai mis dans un carton et je l'ai apporté chez le vétérinaire. Voilà, bon bah donc on prend soin des animaux, on prend soin de la nature. Dans un sens plus large, eh bien on prend soin de ce qui est blessé, donc quelqu'un qui a bon cœur, tout simplement. Bon bah là, cette carte-là, je n'ai pas trop besoin de l'expliquer, je pense, hein. LGBT, parce qu'il faut bien une carte pour cette minorité-là qui fait beaucoup parler d'elle. Un homme qui va accéder à un pouvoir, à moins qu'il y soit déjà. Voilà, un homme puissant, politique, hein, généralement. Mais ça peut être aussi le PDG d'une entreprise, hein. J'ai déjà sorti cette carte-là pour quelqu'un, justement, qui était à la tête d'une entreprise. C'est facile à comprendre. Quelqu'un qui a une position d'autorité, ou en tout cas qui y aspire. Les signes dans le ciel, une comète. Bon, alors ça, c'est vraiment important. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura vraiment des changements majeurs dans le destin de la personne pour laquelle vous tirez les cartes? Les comètes, généralement, sont signes de bouleversement. Ou bah le crédit social, hein. Voilà, le crédit social, plutôt une carte positive, pardon, politique. Voilà, il n'y a pas d'autre signification, hein. Ici, c'est la carte de la résistance. Alors, pourquoi une femme? Bah, parce que c'est la France. Alors, la France, c'est une femme, c'est Marianne. Voilà, les gens qui ont décidé de se défendre, de défendre leurs valeurs, qui sont prêts à se battre. Vous avez la fleur de lys. C'est la carte, encore une fois, des femmes aussi courageuses, hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi simplement au sens aussi propre du terme. Une femme qui se bat, qui se défend, mais c'est aussi, en fait, encore une fois, la France qui va prendre un petit peu la tête de la résistance. Alors, la boîte de Pandore. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Pandore avait ouvert la boîte dans laquelle elle a libéré tous les maux sur l'humanité. Et en fait, ce qui restait tout au fond de la boîte, c'est l'espoir. Voilà, donc très belle carte. L'espoir sous forme d'une petite fée. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Une femme qui aspire à une situation, mais ou aussi qui en a déjà une en fait, hein. C'est la carte de l'ambition, mais c'est aussi une femme de pouvoir, hein, que ce soit politique ou à moins que ce soit votre chef si vous avez un travail. Un château de cartes qui nous dit que la situation est instable. Et risque de s'écrouler avec un souffle de vent. Donc ça, c'est vraiment l'instabilité. Les femmes qui ont peur, une femme qui a peur. Bon, bah, c'est la peur, hein, la peur de femme, tout simplement. Alors évidemment, ça peut montrer aussi une femme qui est soumise à des mauvais traitements, hein. Voilà, des agressions, des choses comme ça. Donc la peur en relation avec une situation difficile d'une personne féminine. Les gens qui vont entrer dans un conte de fées, bon bah là, les gens qui se font manipuler et qui croient à des utopies. Voilà, on voit très bien, hein, vous avez ici un conte de fées, un livre, donc des gens qui croient n'importe quoi et qui risquent d'être déçus par la suite. Donc c'est un conte de fées, tout simplement. L'épée de Damoclès, vous connaissez certainement l'histoire de ce roi qui avait puissance, gloire et fortune, mais qui avait une épée de Damoclès. Donc ça, c'est une menace sur quelqu'un qui a normalement une situation, qui peut même être riche, mais attention, l'épée risque de, bah, d'arrêter tout ça, hein. Donc c'est une menace très sérieuse, voilà, et on ne sait pas quand est-ce que l'épée va tomber, vous voyez qu'elle est retenue par des fils, voilà, je vous conseille de lire l'histoire mythologique en relation avec cette fameuse épée. Ouh, bah ça c'est la carte de la luxure, voilà, les gens qui se vautrent dans la saleté et dans le vice, c'est la carte aussi que l'on peut avoir pour la pédocriminalité, ou simplement le vice. Et la luxure, généralement. Voilà. Il n'y a pas d'autre signification.
Ici, le chat qui fait preuve de prouesse. Donc ça, c'est une prouesse que l'on va faire dans une situation dans laquelle justement il faut savoir garder son équilibre. Mais là, eh bien, la personne va pouvoir rebondir, tout comme la balle. Donc c'est une prouesse. On se sort d'une situation difficile grâce à ses qualités personnelles, des qualités comment dire? Des qualités d'adaptation. Voilà, je cherche le mot. Grâce à ses qualités d'adaptation et de souplesse. Là, il faut surfer sur la vague. Voilà, donc une situation assez compliquée, même qui est peut-être très dangereuse. Mais là, le surfeur dit qu'eh bien, tout ira bien puisque l'équilibre, voilà, l'équilibre sera trouvé dans une situation difficile. Donc, surfer sur la vague, bon, bah, c'est une expression qui est quand même relativement connue. Donc, dans un contexte compliqué, eh bien, il faut utiliser l'énergie négative, voire destructrice de cette vague pour continuer d'avancer et garder son équilibre. Ici, c'est une femme, alors qui peut être oubliée, donc une femme du passé, par exemple, dont l'image est en train de disparaître. Mais on peut y voir malheureusement aussi l'image de notre beau pays, la France, qui est en train aussi de se liquéfier. Voilà. Donc c'est quelque chose qui disparaît. Donc là, vous pouvez vraiment extrapoler avec cette carte-là. Un souvenir qui s'efface, une femme du passé qui ne reviendra pas, puisque le sable, bon bah, le sable, c'est pas solide, hein, donc ça se dissout, ça se défait, ça se délite, ou bien la France qui est en train de souffrir par rapport à son image. Les ordinateurs, Windows, pourquoi pas Bill Gates? Oui, j'ai pensé après. C'est vrai que ça peut montrer aussi ce personnage. Voilà, mais généralement, moi, je voulais une carte pour l'ordinateur, les ordinateurs, donc quelqu'un qui peut travailler en relation avec ce domaine, tout simplement. Une carte plutôt neutre. Les usines à bébés, ben, ça parle des trafics de tout petits. Alors moi, c'était une carte pour la GPA. Ah, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, hein, tant pis, ça ne plaît pas. Voilà, des enfants qui sont faits et qui sont achetés ou vendus, tout simplement. Voilà, donc là, c'est une très mauvaise carte si vous avez ça dans un jeu, hein. C'est les trafics de bébés. Donc, il faut vraiment aller creuser. Ici, ben, on marche sur la tête. Voilà, donc renversement des valeurs, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est la carte du n'importe quoi, tout simplement. C'est fait n'importe comment, sans dessus dessus, sans dessus dessous, pardon. Donc si vous avez ça sur une personne, vous pourrez dire que c'est une personne qui fait n'importe quoi, qui a un renversement des valeurs, le bien c'est le mal, le haut c'est le bas, et tout ça ne permet pas d'avancer très loin. Voilà. La personne qui panique pour rien, puisque en fait ici, il s'agit d'une fête, hein, ce sont des confettis que vous voyez par terre, des ballons, et la femme est complètement en panique. Donc ça, c'est quand on se fait du souci, alors qu'en fait, les choses vont bien aller. Donc voilà. Mais bon, après, vous pouvez y voir quelqu'un qui perd ses nerfs dans n'importe quelle situation, ou qui, encore une fois, qui se fait du souci pour rien, à moins qu'on ait fait très peur à cette jeune femme, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est complètement en panique. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de danger avec une carte comme ça. On panique pour rien. Les champignons, alors qu'est-ce qui pousse comme des champignons? Ben voilà, donc il va falloir regarder qu'est-ce qui pousse comme des champignons. Quelque chose qui pousse rapidement, qui se développe tout aussi rapidement, puisque les racines des champignons peuvent aller très très profond sous la terre. Donc c'est une carte qui est neutre. Il faut voir qu'est-ce qui prolifère, si c'est bien ou si ce n'est pas bien. En tout cas, c'est la carte du développement rapide et multiple. Le colibri qui donne le nom à son extension. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce petit colibri qui essayait d'amener quelques gouttes d'eau pour éteindre l'incendie de la jungle ou de la forêt, je ne me souviens plus. Et les autres colibris se moquaient de lui en disant: Mais tu ne vas jamais pouvoir éteindre l'incendie avec ton petit seau là, tes quelques gouttes d'eau. Et le colibri disait, ben oui, mais je fais ma part. Voilà. Donc toute une morale. Il s'agit à chacun de faire sa part pour éteindre un incendie, donc pour agir
dans une situation dangereuse ou désespérée. Voilà, donc ça c'est un petit peu la carte de... Comment dire? Voilà, j'étais en train de chercher, c'est la carte de l'initiative, une initiative personnelle, une entreprise personnelle et individuelle pour faire sa part. Et la dernière carte, eh bien, c'est la bonne nouvelle. Alors, ce n'est pas que une nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est pour ça que vous avez un sourire sur le visage du facteur. Donc, c'est une carte positive. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.